faisant partie depuis peu du syndicat de la boucherie, j'ai entendu parler de ce diagnostic NIRIS par le biais de l'UPA, qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur toute la formation clientèle et surtout qui m'a fait connaître cette formation. Le diagnostic, c'est simple, c'est plusieurs questions en 20 minutes qui vous fait ressortir un petit peu le bon et le mauvais côté de l'entreprise, comment elle se comporte au niveau financier, au niveau clientèle, relationnel, nous, dans notre boutique. Peut-être qu'on a besoin d'un conseil sur un produit ou une découpe, une présentation, l'hygiène qui est très important. Il y a peut-être des efforts à faire, ça nous ouvre les yeux sur tout, quoi. Et c'est vraiment à conseiller. Suite au diagnostic Iris, j'ai pu envoyer mon employé faire une formation de décoration sur viande. Ça nous a permis de non seulement connaître notre métier, le désossage et la mise en valeur en vitrine, ça nous a permis de vendre 100% de la viande que nous mettons en vente. L'onglet, il est sur la tête du filet. Je suis boucher en fait. Je désosse, je dénerve, je dépiège, j'épluche la viande et je la décore pour la mettre à la vente. J'ai fait un stage de formation pour décorer la viande. J'ai fait 2 semaines à Paris. Et ils m'ont appris à mettre en valeur la viande, parce que ça plaise à l'œil, parce que les gens achètent d'abord avec le regard. Les gens le disent, qu'on a de la belle viande, qu'elle est bien présentée, qu'il y a le choix. Ça, c'est important aussi, le choix. Je vois dans les autres boucheries, c'est pas la même déco que ce que je fais. Mon patron, ça fait 8 ans que je le connais. Il m'a formé à l'âge de 15 ans, j'en ai 23. Ça promet. Ça, c'est quelque chose que je conseille à tous les artisans de faire. C'est vraiment une question de qualité, de formation, de relationnel avec la clientèle. Tout ça, ça nous permet de maintenir, on va dire, une belle image de l'entreprise.